Et voilà les amis, mais voilà pour la finale de l'Euro, de la conférence Euroleague. Qui va sortir gagnant de ce choc? On va voir ça tout de suite. Après une lourde défaite sur la vidéo précédente pour avoir testé la dernière mode de jeu, je suis revenu dans ma mode normale, dans la mode que celle que je joue en semi-pro. Qui a proposé des rencontres effervescentes. Et puis, ces parfums des finales européennes sont vraiment inimitables. Pour tous les joueurs, c'est un moment à savourer. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. Et oui, ça, c'est de l'action! Ah, la perte de balle. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est maintenant qui commence l'histoire de ce match. C'est le début de l'exhibition artistique. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Oui, duel remporté. Ce ballon qui est perdu. Allez, pas de pied, il faut prendre un risque maintenant. Attention, le ballon n'entre pas et donc, logique, le score reste inchangé. Une énorme opportunité de se mettre au chaud avec deux buts d'avance. Raté. Attention, il y a un bon pressing. Ballon repris sur ce duel. La frappe. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Et non, ballon perdu. Sur le côté, la grosse opportunité, attention. Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Dans les buts, le ballon relâché, et c'est bien suivi derrière pour le mettre au fond des filets. On revoit maintenant l'action, la balle renvoyée dans la zone dangereuse. La Solido, ça ne pardonne pas, c'est tant qu'on passe le client. Deuxième but contre cette équipe, ça fait 2-0. Il faut quand même mettre un peu de danger là. À cette distance, pourquoi pas. Et le gardien fait le nécessaire. Le corner. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. Un face-à-face à négocier. C'est une sabatasse, un coup de sabate vers le but, validé par tous les porteurs. Ah non, ce ballon est perdu.
la récupération du ballon. Ah, il faut l'aider, lui proposer des solutions. L'arbitre laisse l'avantage. Ah, le contre est possible. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Et donc l'arbitre cible la faute, c'est un coup franc. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Ça y est, la première période arrive à son terme. Il a appuyé le match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Ah, il prend sa chance de loin, frappe surpuissante, et vu la distance, il fallait oser. Le but manqué pour pas grand-chose, hein, et c'est tout à son honneur. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. La pression sur Fofana. Donovan Léon. La bonne percée, il faut aller provoquer à une frappe lointaine complètement décadrée. Au moment de la frappe, le pied d'appui est un peu trop loin du ballon. Voilà, changement donc. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Un bon appel le long de la ligne de touche. C'est bien fait ça, attention. Ah, le bon réflexe là. Et un changement donc. Elle vient tirer dans la surface. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Et oui, duel remporté. De loin, la frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, ça sort aussi. Et le remplacement peut avoir lieu. André Almeida. Avec autorité, le ballon est récupéré. Et la frappe, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il vient de faire, Mamardashvili. C'est bien parti pour ce corner. Ah non, il n'est pas bien joué ce corner. Adeyemi. Fofana. Wesley Fofana. André Almeida. Et la possession leur échappe. Paul Joly.
Belnar. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien mis la trajectoire. Sort. Et le pressing sur le porteur. Ouh, la faute. Et attention là. Ça, je vais prendre un carton. Et voilà les 5 dernières minutes d'un match complètement déséquilibré. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Oh, le ballon qui est perdu. Sorti en touche. André Almeida. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Attention, ça peut être dangereux. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Ah, allez, contrer cette frappe. Pouf. Le corner. Bonne question qui permet de récupérer le ballon. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Et voilà, c'est terminé. Hommage sur ma saison. Car en Coupe de France, je me suis fait sortir au premier tour. Mais moi, je gagne cette coupe-là, ça fait plaisir. Les joueurs ne dominent pas. Quelle joie. Oui, évidemment, et toujours ces scènes avec d'un côté le bonheur et de l'autre la détresse d'avoir évidemment perdu. Mais la récompense, ce sont toutes les émotions qu'ils ont offertes jusque-là. Les bonnes, les mauvaises, peu importe, on s'y sent vivant. Et oui, c'est ça de remporter une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, ça vous transporte et ça reste un grand moment de bonheur. Et dans quelques instants, c'est le moment que tout le monde attend, évidemment. Les supporters, les joueurs, le club, le capitaine. Et là, ça y est, tout le monde s'approche de la Coupe, c'est le bon moment ça. Et oui, UEFA Europa Conference League, ça reste un trophée européen. C'est devenu un objectif pour cette équipe. Tout le monde s'est enthousiasmé pour cette épopée. Bon, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est une coupe quand même. Et la voilà, c'est ça l'image, celle qui va rester. Le capitaine, donc qui brandit le trophée, ça va rester dans les mémoires. L'UEFA Europa Conference League, c'est pour cette équipe. Bravo à ces joueurs, bravo à ce club, parce que c'est un grand accomplissement dans une saison. C'est le moment de présenter la coupe au public. Oui, le moment du partage. Quand on joue au football, on passe toute sa carrière à rêver à des moments comme ça. Et puis tout le reste de sa vie à se les remémorer. Profiter, savourer, déguster ces moments de joie. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur les photos, vous savez pourquoi ? Et oui, évidemment, pour tous les petits. Et vous ? Moi toujours derrière, avec les beaux gosses. Eh ben ça fait plaisir. Au moins achève la saison. 15, j'ai fait une saison catastrophique. Allez. We've got some questions for you. Est-ce que je vais rester à Auxerre ou ils vont me dégager ? Thanks, that's all.
Et voilà, allez. Là, on fait la fête dans les rues d'Auxerre. Quand on a gagné la petite coupe. Eh ben, qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais me faire limoger d'Auxerre? Parce que j'ai fait une saison catastrophique en championnat. J'ai quand même fait gagner la conférence Euroleague. Allez, merci d'être venu. On propose d'aller où maintenant? À 3. 3. Dunkerque. On va reprendre les stacks, on va signer dans mon club de cœur. Donc me revoilà. De retour dans mon club de cœur. Les stacks de 3. Et ben voilà, fin de saison. Alors c'est bien parce qu'il y a une file des stacks d'origine, mais bon, c'était. Je suis barragiste. Donc je vais essayer de sauver les Troyens pour éviter qu'ils descendent.
mal classé. Ah. Sinon, je finis 15e avec Auxerre en dernière journée de championnat. Que 8 victoires, 22 défaites et 4 nuls. Donc fin de saison. Ah, oh, j'aime bien ça, il fallait à 3 mais après une barre de 3. C'est n'importe quoi. Ils m'ont limogé ou je vais rester à 3 officiellement? Oh, c'est long. Et ben de retour dans mon club et en Ligue 2. Super. Ah, ça commence bien. Alors, moi, les objectifs des Troyens, ça va être quoi? Qui m'emmerde à vouloir modifier le truc lui. Et ben merci les amis d'avoir regardé cette vidéo où je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.